Sonia et Robert Delaunay depuis leur rencontre en 1907 jusqu'à la mort de Robert Delaunay dans les années 40, ont créé ensemble. Ils étaient peintres, mais pas seulement, puisqu'ils avaient à cœur d'insuffler l'art dans la vie. Sonia Delaunay, dans ses mémoires, raconte qu'ils peignaient même sur leur drap de lit, que quand ils se réveillaient, ils parlaient peinture, au coucher, ils parlaient peinture. Sonia Delaunay, elle, s'est ouvert à davantage d'expérimentation peut-être que son mari, qui était avant tout peintre et théoricien. C'est lui qui théorise leurs réflexions sur la lumière, sur les contrastes changeants, les contrastes qu'ils appellent simultanés, et qui donnent lieu autour de 1913 à des peintures incroyables où la vivacité du mouvement s'allie à des contrastes de couleurs vives qui entendent mettre fin au deuil général qu'ils observent donc à l'époque, à la veille de la Première Guerre mondiale à Paris. Et ils souhaitent insuffler au contraire de la vie, une vie trépidante à travers leur création. À la mort de Robert Delaunay, Sonia Delaunay va s'attacher à diffuser l'œuvre de son mari, à le faire connaître davantage, à promouvoir son œuvre en se mettant peut-être elle au second plan. Et ce n'est que depuis quelques années que l'œuvre de Sonia Delaunay et toute sa richesse sont mises à l'honneur, puisqu'elle est redécouverte à travers de grandes monographies à travers le monde.